Salut à tous, c'est les actus de Killer Bunny et je vais vous montrer mes petits achats pour les soldes d'hiver 2020. Pas grand-chose, mais je vais vous montrer tout ça tout de suite. Quelques images et je vous reprends juste après. Voilà, donc je vais vous montrer des petits achats, pas grand chose de mon côté. Donc voilà, j'ai pas pu beaucoup me déplacer, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Allez, go! Premier petit achat, un jeu sur Switch, Scribble Navit, Nodes, Scribble Nodes, oui, c'est un U. Bref, sur Switch, payé pour 5 euros, tout neuf. Donc voilà, via internet. Donc on verra ce que ça vaut. Je l'ai déjà sur PS4. Donc voilà, on va voir. Deuxième petit jeu que j'ai trouvé à Maxiteuil, tout neuf, pour 7 euros. Donc voilà, un petit jeu de ferme, on va essayer ça. Donc voilà, un petit jeu de gestion. Voir si c'est marrant ou pas, je connais pas, mais pour le prix, donc voilà, ça va remplir la petite collection. Donc voilà. Autre petit achat, une petite pop Batman, payée pour 3 euros. Donc ça vaut vraiment le coup, une petite pop, surtout à ce prix-là. Deux autres petites pop, alors je les ai déjà rangées dans mon côté Star Wars. Donc Rose et Praetorian Guard. Payées pour 4 euros chacune. Donc j'ai vraiment fait des belles promos, on va dire, pour tout ce qui est pop. Autre pop où il y en a deux, c'est Ultron versus Sigma. Pour 7 euros, elles sont juste magnifiques. Petit jeu sur 3DS chez Maxiteuil pour 96 centimes. Je comprends pas, ils enlèvent tout le temps de sous blister la plupart du temps. Mais bon, bref, pour le prix, rien à dire. Petite figurine Fast and Furious Vin Diesel alias Dominic Toretto. Donc voilà, vraiment pas grand chose. Un niveau solde, et j'attends d'autres colis, donc je vous referai une vidéo là-dessus. Moi je vous dis ciao, bye bye, c'était les actus de Killer Bunny, et ciao, bye bye.